CR2, ne zappez pas, vous n'avez pas fait d'erreur, vous êtes bien sûr, ça c'est fait, avec trois chroniqueurs formidables et surtout un Tony. Oui. Tony qui est en grande forme aujourd'hui, pourquoi? Parce que tu nous as préparé un sujet. Ouais, parce que j'ai toujours plein d'énergie, puis là j'ai fait un sujet énergique sur l'énergie de la danse, line dance. De la line dance, line la danse dance. En ligne. La danse en ligne. Que tu as essayé, évidemment. Que j'ai essayé. Avec brio ou ah, bah ça c'est à vous de me dire. Hein. C'est qui ce brio là dont je vous parle? Donc c'est un sujet préparé par Tony, la line dance, et c'est pour vous, il y a une intox dedans, essayez de la trouver. Maintenant, je suis prêt. Ah non, 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 avec ces chaussures-là, ça va pas le faire. C'est une danse en ligne. Donc, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de partenaire. Donc, on n'est pas toujours en train de courir après les messieurs pour danser. C'est pour ça qu'on a beaucoup de succès avec ça. Autant les dames que les messieurs peuvent venir et évoluer à leur rythme. Et donc là, on a des cours de line dance qui ne sont pas sur le country. Alors, qui a eu l'idée de se dire une fois, tiens, la line dance, on va la faire sur un autre type de musique? Puis quand ça a eu lieu? Alors, c'est assez rigolo parce qu'en fait, il y a vraiment une transition. Il y a eu un film qui est sorti, c'est La fièvre du samedi soir. Et puis on a vu John Travolta qui dansait un peu sur... Et ils ont fait des danses en ligne à ce niveau-là. Et c'était vraiment le déclic. Donc, des gens qui dansaient du country. Et il y a eu vraiment cette transition qui s'est faite dans les années 80. Et ensuite, après, ça a évolué. Petit à petit, et on a commencé à danser sur des musiques plus pop, des musiques plus rock. Après, il y a eu la salsa, la latino qui est venue. Donc, on a transformé toutes ces danses. Et là, actuellement, la grande mode, c'est R&B, funky. Et on pourrait danser sur du hard rock, heavy metal, qui fait du 320 beats par minute. On peut le faire, on peut essayer. Je pense que ce ne sera peut-être pas forcément drôle à faire, mais la possibilité, elle est là, oui, absolument. Est-ce qu'il faut avoir une connaissance d'autres danses avant de pratiquer la line dance ou pas forcément? Non, pas forcément, pas obligatoirement. Ça peut être un avantage pour les personnes qui ont déjà fait du rock ou des choses comme ça parce qu'elles ont un peu l'habitude de travailler avec des rythmes. Mais sinon, les pas sont différents parce qu'il y a vraiment des créations de pas. Les termes des pas sont différents qu'en valse ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas forcément une obligation. Il y a beaucoup de gens qui sont venus directement en line dance sans avoir forcément fait d'autres cours de danse. Quand ils se trompent, est-ce qu'il y a une règle particulière? Les danseurs se trompent jamais. Ah bon? Ouais, ils se trompent jamais parce qu'en fait, de quoi? Quand il y a une erreur qui se fait en line dance, on dit que c'est une variante. On appelle ça une variante. Donc c'est clair que si on loupe quelques pas, on va essayer de se repérer, on va tourner, on s'arrête pas, et puis ça va faire un petit changement au niveau de la danse et ce ne sera pas une erreur à ce moment-là, ce sera une variante. Combien de temps font-ils pour passer du stade débutant à avancé? Et est-ce qu'il y a un examen qu'ils doivent passer? Alors, en principe, en fin de saison, au mois de juin, on va prendre des débutants, mais ça peut être les intermédiaires, mais les débutants vont devoir passer un examen. On va les évaluer, on va les noter, puis à partir de là, on va décider si le niveau est assez élevé pour passer au niveau supérieur ou s'ils doivent refaire l'année débutant. Il existe des compétitions en line dance? Oui, absolument. Comment se passent les compétitions? Alors, les compétitions, il peut y en avoir plusieurs, mais la plupart du temps, il y en a une, voire deux par année. Là, dernièrement, l'année passée, au mois d'août, il y avait la compétition qui était à Zurich.
C'est les championnats, ils appellent ça les championnats suisses, ont été à Zurich. Il y a les championnats en France qui sont à Paris, vous en avez en Angleterre. Et les championnats du monde se font aussi, de toute manière en line dance, ben, on est seul, donc il n'y a pas de partenaire déjà. Et ensuite, par rapport à la compétition, c'est un petit peu comme dans un autre sport, il y a des schémas, c'est-à-dire qu'on peut être soit, si je prends le judo, il y a les ceintures blanches, ceintures jaunes. Donc en compétition, c'est exactement la même chose. Donc au départ, une personne qui a dansé, je dirais, depuis une année, peut s'inscrire à un championnat en ce que nous on appelle en social ou en newcomer. Et ensuite, au bout de 2-3 années de danse, on peut monter, aller dans le style novice, intermédiaire. Après, il y a les avancées et puis les superstars, comme on les appelle, les professionnels après. Ouais. Quel est ton parcours? Parce que tu es quand même vice-championne 2007. Alors, qu'est-ce que ça demande? Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de passion, je pense. Ben, comme ça fait 7 ans que je danse, j'ai déjà les bases. Et après, il suffit de voir des professionnels, bien sûr, qui nous coachent un peu, mais qui viennent pas de Suisse, comme on n'est pas beaucoup. Et on fait, quoi. Puis on s'entraîne pendant tout l'été, puis après, on passe en septembre. Professeur de line dance, ça marche avec les mecs? Il y a beaucoup de femmes, on a un gros problème avec ça. Ouais. C'est-à-dire qu'au niveau danse, je crois qu'à ce moment-là, c'est dans toutes les théories, c'est que dans toutes les danses, rock ou quoi que ce soit, on cherche toujours les partenaires. Salsa, même chose. Donc, pas tellement avec les mecs pour faire... Non. Évidemment, donc il y avait une intox. Est-ce que vous l'avez trouvé chez vous, assis confortablement dans votre canapé? Je ne sais pas, mais Benjamin, as-tu une idée? Oui, à mon avis, Tony est un sacré mariole, puisque je pense qu'ils font toujours de la line dance sur de la musique country. Il a fait exprès de changer la musique. D'accord. Mathieu, ouais. Une idée? Moi, je crois que la fièvre du samedi soir et ce truc de disco étant l'ancêtre de la line dance, c'est de la foutaise. Ouais, moi, personnellement, quand elle dit qu'une erreur est considérée comme une variante, je pense qu'elle a dit ça pour te remonter le moral, parce que t'en as fait un paquet d'erreurs et je pense que ce sont vraiment des erreurs. Le roi de la variante. C'est le roi de la variante, c'est ça? Le roi de la variante. Variante, man. Ok, est-ce que quelqu'un a raison? Personne. Personne? Eh bien, la réponse en image tout de suite. Alors, l'intox, en fait, c'est par rapport aux examens. Il n'y a pas d'examen en line dance. C'est-à-dire que quand on est au niveau débutant, à la fin de la session, on passe normalement, automatiquement à la session suivante. On évolue gentiment. Il n'y a aucun problème. On ne va pas noter les gens. On est là pour le plaisir, pour danser. Ils sont là pour le fun. Et ouais. Mais c'est beau. Et puis donc, non, en effet, ils ne font pas ça que sur de la country. Pardon. Et puis, en fait, ils dansent sans chapeau. Ça, c'est précisé. En tout cas, eux, non, pas le chapeau. Je suis sûr que j'ai déjà vu des liner dance, etc. Oui, mais pas dans cette école. Peut-être sur ceux qui faisaient que de la country. Tu vois, si tu faisais sur du Rihanna ou du George Michael. Un chapeau ridicule. Ou du Frank Michael. Ouais. Mathieu, Icky Breaky Dance. Steph Kars, lui, il dansait avec son chapeau. Donc c'est l'hymne de la line dance, en fait. C'est une chanson, et on l'écoute en ce moment. Ah. Et on nous explique dans cette chanson comment danser la line dance. Et donc c'est une version française de Billy Ray Cyrus. C'est Billy Ray Cyrus. C'est la version française en fait. Ouais. Et donc Billy Ray Cyrus c'est aussi une star dans le milieu de la line dance. Mm-hmm. Et